Autre chose, à présent, de personnes handicapées, moteurs, de nouveaux mobiles, grâce aux dons des prothèses de la Fondation Harris Jacktani, une mobilité qui redonne le sourire à des personnes démunies, dont les militaires amputés. Ces prothèses, distribuées à Kinshasa et en province, sont fabriquées à l'hôpital HJ à Kinshasa. Habituée à donner les sourires à la population démunie, la Fondation Harris Jacktani vient cette fois encore de voler au secours de plusieurs personnes handicapées moteurs en leur offrant gratuitement des prothèses qui les rendent de nouveau mobiles. Acte de générosité débuté à travers la campagne Jepu Foot initiée par les responsables de cette fondation, Harris Jacktani. La première phase de cette campagne a démarré à Kinshasa le 1er décembre 2021 et a permis à 575 personnes amputées de recevoir chacune une prothèse gratuitement. Parmi elles, 150 militaires en étaient bénéficiaires. Après Kinshasa, les délégués de la Fondation Harris Jacktani, conduits par Madame le directeur général Rochni Panjan, avaient poursuivi leur sensibilisation dans la province du Kasaï oriental. Première étape, la ville de Mbujimayi, pour poser les mêmes gestes aux démunis handicapés moteurs des suites d'une amputation, après avoir été identifiés par une équipe d'experts. Au cours d'une cérémonie organisée sur place en Mbujimayi, dans la salle polyvalente Poli Ngombo, dans la commune de Djoubou, l'initiateur de la campagne Jepu Foot et responsable de la fondation Harris Jacktani a offert gratuitement 34 prothèses aux handicapés moteurs de la ville de Mbujimayi. Ces prothèses ont été réceptionnées par le ministre provincial de la Santé et des Affaires sociales du Kasaï oriental. Il s'y est de signaler que toutes ces prothèses sont fabriquées à Kinshasa, à l'usine montée dans la 7 de l'hôpital HJ Hospital à Kinshasa Limité.